Ce site internet peut vous permettre de récupérer de l'argent qui vous appartient sans que vous le sachiez. Son adresse, cyclades.caissedesdépôts.fr. Grâce à lui, 300 000 personnes ont déjà reçu en moyenne 2 500 euros. Et nous sommes trop peu à être au courant. Maintenant que vous me le dites, oui, oui. Et je vais même en parler autour de moi. À mes clientes et à ma famille. Un petit magot qui dort, qui nous attend, pourquoi pas? Parce qu'on ne sait jamais, il faut avoir une bonne surprise. Surtout que cette démarche sur Internet est simple. Vous entrez vos noms, prénoms, date de naissance et vous lancez la recherche. Malheureusement, comme au loto, ça ne marche pas à tous les coups. Depuis 5 ans, 684 millions d'euros ont été reversés à des particuliers qui ont réalisé ces démarches. Des sommes provenant de comptes bancaires, d'assurance vie et d'épargne salariale oubliées. J'avais ouvert en étant à l'armée un compte à la Poste et je pense que je n'ai jamais été le soldé. Si vous avez oublié l'existence d'un compte, voilà la règle. Chaque année pendant 10 ans, votre banque doit vous prévenir par courrier. Ensuite, cet argent est transféré à la Caisse des dépôts qui le garde pendant 20 ans. Vous pouvez encore le réclamer, mais après, c'est trop tard. Il finit dans les caisses de l'État. En 2022, nous avons restitué 134 millions d'euros pour près de 73 000 bénéficiaires. Souvent, ce sont des livrets ouverts par les parents et les grands-parents à la naissance de leurs enfants qui ont été oubliés. Le délai de paiement est de 3 mois. Un système qui se veut rapide et simple. Encore faut-il accepter de passer du temps devant un ordinateur. J'ai déjà eu affaire à des démarches sur Internet et en général, il y a toujours quelque chose qui bloque, un document qui manque, une information qu'on n'a pas. Au final, chaque année, environ 60 millions d'euros définitivement non réclamés terminent dans les caisses de l'État.